Aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux concernant... Allô, mes amours, salut à tous et bienvenue encore sur Josie News TV. Une fois de plus, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner chez Josie News TV pour mes amours de Facebook. Je vous dis grandement merci pour tout. N'oubliez pas de suivre cette page, de liker, de le partager aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du docteur Justin Den, qui est l'ex-mari de l'artiste nigériane Cora Obidiwim. Voilà, il y a un live qui ne fait que circuler sur les réseaux sociaux depuis le matin. Et en tant qu'une Miss Congo, ça, j'ai décidé de donner mon point de vue concernant cette vidéo, ok? Bon, l'autre jour, il avait pris les enfants, il essayait de masser, il a appelé ça quoi? Vous connaissez, c'est un docteur. Il essayait de masser l'enfant et puis il a levé les habits et tout et consort. Bon, il y a certaines personnes qui ont dit que voilà, pourquoi est-ce que tout le temps quand il prend les enfants, il faut qu'il expose les enfants sur les réseaux sociaux comme cela, même sans habits et tout et consort. Bon, il y a certaines personnes qui n'ont pas trouvé ça bien. Et de là, il voulait tresser ou se peigner les cheveux de June. Et voilà, June n'acceptait pas, June était en live en train de pleurer, wow, donc on a tout fait pour elle le jour-là, elle n'a pas accepté pour qu'on peigne ses chevelus. Les gens étaient là-bas en train de dire, oh voilà, tous les temps qu'il prend les enfants, pourquoi ne même pas rester hors caméra? Est-ce qu'il va prendre les enfants tous les jours, il est dans le live, c'est pas pour chercher l'argent et tout et consort, qu'on n'a jamais vu? Oh, ceci, cela, pourquoi il se sépare avec Cora, mais il utilise les enfants pour faire de l'argent sur les réseaux sociaux? Parce que c'est que s'il ne met pas les enfants sur les réseaux sociaux, il ne peut pas avoir les vues qui vont lui donner tellement d'argent. Bon, les gens ont dit comment, oh, jusqu'à ce qu'il parle, jusqu'à, il enlève les habits de la petite fille pour dire, oh, je suis en train de faire le massage ou quoi que ce soit. Maman, les gens n'ont pas dit quoi. Il y a certaines personnes qui ont dit jusqu'à dire comment, oh, il y a certaines choses qui se passent sur Facebook, wow, 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 wow. Maman, c'est pas de la bouche de Jésus que vous allez entendre. Donc, comment est-ce qu'il doit déshabiller l'enfant en disant comment il fait les massages et tout, sur l'enfant, une petite fille comme cela et tout. Bon, il a fait comme cela le jour là jusqu'à ce qu'il n'a pas pu payer la tête de June. Et alors, il est revenu encore hier avec le paiement des cheveux. Et les gens ont commencé à dire, maman, c'est seulement dans la caméra que tu dois venir payer les cheveux de l'enfant et tout et consomme. Bon, en tant que Miss Congo, ça, j'aimerais donner ma part de point de vue. Vous connaissez sur les réseaux sociaux, chacun voit différemment, ok? Voyons d'abord que Cora et son mari... Ils étaient, on appelle ça en anglais, content creators, ok? Donc, c'est les gens qui sont nés, donc c'est leur boulot là-bas pour créer les contenus et mettre sur les réseaux sociaux. Et créer les contenus, c'est comment? Tu peux créer le contenu même avec tes pieds, même avec ta tête, même avec tes enfants, même ce que tu vois que non, ça te plaît. Pour créer les contenus, tu peux créer et mettre sur ta page. Tant que Facebook accepte et tant que tu fais ton argent, hein, il n'y a pas de PB. Bon, le fait où il retire les habits de l'enfant, il fait le massage et tout, en tant qu'un docteur et tout, je ne sais pas. Bon, lui, il a trouvé que c'est quelque chose de bien qu'il pouvait faire sur les réseaux et c'est ses enfants. Pourquoi ne pas? Et d'une autre part, alors, j'aimerais dire ceci. Voilà, moi, je trouve que c'est un père super concernant la petite fille June. S'il vient faire ça sur les réseaux, peut-être il a ses raisons et il veut montrer aussi au monde entier qu'il peut prendre soin de ses enfants, que voilà, si les enfants sont même avec Cora, Cora prend bien soin d'eux. Mais si les enfants sont aussi avec lui, lui aussi, il montre qu'il peut bien prendre soin des enfants. Commençant par les cheveux, vous connaissez que les petites filles, il faut garder toujours les cheveux là propres. Bon, vous voyez, il essaye de vous montrer que voilà, il peut laver les cheveux de sa fille, il peut peigner, il peut faire autant de choses. Et pourquoi alors les gens vont commencer à le tirer que, oh, il vient sur les réseaux sociaux? C'est quelqu'un qui crée son contenu. Voilà, aujourd'hui, certaines personnes sont en train de dire que voilà, Cora, elle crée son contenu avec son poitou, qu'elle ne fait que mettre dehors. Et les gens ne font que regarder, et les gens ne font que lui donner les vues qu'elle veut. Elle touche son argent chaque fin du mois. Et alors, lui crée son contenu, mais quand les enfants arrivent chez lui, il dit, bon, aujourd'hui, je vais créer le contenu avec ma fille et tout et consort. Payer les cheveux, il y a les gens qui sont là pour regarder comment il paye les cheveux de sa fille. C'est toujours un contenu. OK? Donc, moi, je trouve que moi, il n'y a pas de PB en venant sur les réseaux sociaux, payer les cheveux de sa fille, vu que lui et Cora, ils se sont séparés et je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui restaient derrière les caméras dit oh, on doit voir comment il va prendre soin de l'enfant. Voyez la dernière vidéo qu'il a fait dernièrement quand il donnait le lait non mélangé à l'enfant. Quand le lait était coagulé comme si. Voyez, les gens sont venus dire, ah, Dieu, hey, c'est comment? Pourquoi donner le lait non mélangé à l'enfant?
enfin, bon, jusqu'à ce que certaines personnes ont parlé jusqu'à pendant 2 semaines. On ne faisait que partager les vidéos comment, oh, voilà la bouteille d'eau, il y a le lait en bas, il y a l'eau en haut. Voyez? Et alors, ils sont vous montrer que non, je suis capable de payer les cheveux de ma fille, je suis capable de masser ma fille comme il le faut, oh, sur la caméra. Ils vous montrent même. Il y a certaines personnes, vous connaissez ce qu'ils font derrière les caméras, non. Ils vous montrent que voilà comment ils prennent soin des enfants. Et il y a plusieurs personnes qui apprécient. Moi aussi, j'apprécie le fait que non, c'est un papa génial. Voilà. C'est pas seulement la femme qui doit rester, dire, oh, Junzi avait les cheveux et tout et consort. Lui aussi, il essaye de faire de son mieux pour dire, voilà, c'est ma fille. Je vais l'entretenir, je vais payer ses cheveux. Je vais laver ses cheveux. Je vais faire les choses que les femmes peuvent faire aussi. Voilà. Et pourquoi ne pas le laisser un peu créer son contenu? Parce que de nos jours, vous connaissez, la majorité des gens, ils vivent qu'à travers des réseaux sociaux. Pourquoi ne pas le laisser chercher son argent en paix? Vu que même Cora montre aussi les enfants, quand elle avait les enfants, tout le temps aussi, elle montre les enfants sur les réseaux sociaux. Bien que Cora, la majorité du temps, elle prépare, elle fait ses choses, elle danse, elle montre son petit aussi, qu'elle a ses vues. Mais quand elle avait les enfants, elle montre aussi les enfants. Donc, il faut pas qu'on voie pour Dr. Justin Dent comme si c'était quelque chose de... Hein? Voyant un père comme cela qui s'occupe de sa fille, qui essaie de dire, non, ma fille serait propre et tout et con, ça, c'est pas facile. Il prend son temps, il a la maison, il entretient sa fille, il fait les massages et tout. C'est pas quelque chose de parler. Parce que j'ai vu plus de 50 vidéos sur les réseaux sociaux. Oh, il est obligé de montrer l'enfant. Est-ce qu'il est obligé de montrer au monde entier que voilà ce qu'il est en train de faire, ceci, cela? C'est son contenu qu'il est en train de créer pour ceux qui ne savent pas. À la fin du mois, il doit toucher son argent. Vous serez là-bas toujours pour dire oh, oh, oh. En tout cas, c'est mon point de vue que j'ai donné. Chacun a son point de vue. Vous pouvez me laisser ça sur les commentaires. Présentement, ce qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux. J'ai vu peut-être 50 vidéos. On ne fait que dire oh, est-ce que... Il n'y a pas d'autre contenu à pas venir montrer les enfants et tout et tout. Quand les enfants ne sont pas avec lui, ça, il montre les massages, son travail. Pourquoi maintenant, quand les enfants sont avec lui, il doit aussi montrer sur la caméra, vu que c'est ce qu'ils font depuis la naissance des enfants. Donc, c'est juste mon point de vue. Je vais vous laisser écouter à la vidéo. Et pour mes amours de Facebook, vous pouvez venir sur YouTube, écouter à la vidéo, ou vous allez sur sa page. Et en au revoir la prochaine fois. Je vous aime comme toujours. Et bisous à tous. Right, look at all those rainbows for you, Junie. Rainbows. They're all rainbows. I know. All the rainbows. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Great. Can what colors are in those rainbows? Colorful. They're colorful? Which colors are in those rainbows that people are sending you? Red. Red, that's also. What other colors? Blue. That's right. What else? Green. That's right. What else? Purple. That's right. Is there more colors in those rainbows? Yeah. There is? What other colors? Purple. Purple? Uh-huh. There we go. I missed it. Mom, good. I'm going to get right. Come here. Okay, I'm done. No. Where are you going? Look at the rainbows that they're sending you.